Je vous invite à vous lever. Depuis Psaume chapitre 3. Psaume chapitre 3, lisons la parole du Seigneur. Je vais lire à partir du verset 2. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi? Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire. Et tu relèves ma tête. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu. Car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Ensemble, le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Amen. Amen, amen. Que sa bénédiction soit sur nous. C'est encore une grâce d'être ici en bonne santé, et nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous allons prendre ce petit chant. Règne sur mon âme, règne sur mon âme. Doux Saint-Esprit, règne sur mon âme. Mon repos est entier. Quand je suis à tes pieds, doux Saint-Esprit, règne sur mon âme. Oui, règne sur mon âme, règne sur mon âme. Doux Saint-Esprit, règne sur mon âme. Mon cœur s'élève quand je bois à ta coupe. Doux Saint-Esprit, règne sur mon âme. Oui, règne sur mon âme, règne sur mon âme, doux Saint-Esprit, règne sur mon âme. La vie est changée. Ma vie est changée par l'œuvre que tu fais, par l'œuvre que tu fais. Doux Saint-Esprit, règne sur mon âme. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Oui, sans détour. Oui, sans détour. Et pour toujours la croix. La croix devant moi, le monde derrière moi,
La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, c'en est tout. Et pour toujours fini. Fini avec le monde, maintenant c'est Jésus. Fini avec le monde, maintenant c'est Jésus. Fini avec le monde, maintenant c'est Jésus. Oui, c'en est tout. Et pour toujours, et si je suis seul, et si je suis seul à suivre Jésus, et si je suis seul à suivre Jésus, et si je suis seul à suivre Jésus, je le suivrai, je le suivrai. Oh, prends mon âme, prends la Seigneur, et que ta flamme brûle dans mon cœur. Que tout mon être vibre pour toi, sois seulement maître, ô divin roi, chantant source, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi, je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, sois mon seul bien du mal perfide. Oh, garde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux, disant source, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, sois mon seul bien. Oui, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi pour nous bénir. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi pour nous remplir. Il n'y a que toi,
Seigneur, il n'y a que toi. Prions tous ensemble. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons à l'autre bord, allons à l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons à l'autre bord, allons, allons, allons à l'autre bord. Si un jour sur la route tu rencontres le mal, croisant Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Croisant Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit, il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons à l'autre bord, allons, allons, allons à l'autre bord. Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons pour ces moments. C'est toujours une grâce pour nous d'être dans ta présence, de voir la plus grande chose que tu as accomplie dans notre vie, c'est de nous donner le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous avons davantage soif de vivre ta parole, soif d'être comme toi, et nous vivons aussi pour les autres afin de leur apporter tout ce dont ils ont besoin, qu'ils leur manquent, que nous croyons que nous avons, que nous pouvons leur donner. Seigneur, nous ne sommes pas supérieurs à qui que ce soit, inférieurs à qui que ce soit, mais nous comptons seuls sur ta grâce.
C'est pourquoi nous sommes venus encore ce matin afin de recevoir de toi le pourquoi nous, et ce dont tu as pourvu pour nous ce matin. Seigneur, nous sommes comme des enfants. C'est pourquoi nous voulons que tu puisses nous instruire encore ce matin avec toute l'attention et tout ce qu'il faut pour que nous puissions être comme toi. Nous voyons, nous puissions que le monde est en train de se refroidir, que même le plus péché est en train de détruire la vie d'une personne qui a eu des années d'expérience dans la parole. Seigneur, la question est la suivante. Quel en est-il de ce qui va suivre? C'est pourquoi nous voudrons regarder à ta parole, Seigneur, afin d'être y attaché fermement et de prendre position encore plus que les autres jours dans le passé. Que tu puisses davantage renouveler chacun de nos expériences. C'est pourquoi, Seigneur, laisse que la parole qui va sortir ce matin puisse bénir ceux qui vont écouter ainsi que celui qui parlera. Seigneur, éloigne l'homme afin que nous puissions t'entendre, toi parler et que tu puisses encore nous bénir. Bénis tes enfants partout dans le monde, ceux qui sont en train d'écouter la parole d'une manière comme d'une autre. Mais nous savons que la seule vie qui sortira, c'est ta parole partout dans nos vies. Seigneur, ramène encore l'amour envers les frères, les sœurs. Restaure tout ce qui a été perdu. Ramène le zèle de ta parole afin que nous puissions encore davantage te louer dans toute la crainte et dans tout l'amour. Béni sois-tu, viens prendre la suite de ces instants et bénis encore la de ta parole, dans le nom de Christ. Amen. Je vous invite à prendre avec moi rapidement le livre de Samuel. 1 Samuel. Un Samuel chapitre 1. À partir du verset 2. 1 Samuel chapitre 1 à partir du verset 2. Lisons la parole du Seigneur. Il y avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Que le Seigneur bénisse sa parole, puis vous asseoir. Nous allons continuer au verset 3. Chaque année, cet homme, c'est le mari de ces deux femmes que nous avons lu au verset 2. Cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Je vais essayer de descendre un peu plus bas. Au verset 4. Au verset 5 plutôt, c'est une longue lecture. Mais il donna à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Ici, la première femme de cet homme mépriser l'autre femme qui était stérile parce qu'elle ne donnait pas naissance pour que celle qui est stérile puisse s'irriter et avoir une attitude qui n'est pas juste vis-à-vis de l'Éternel. Le sujet de ce matin que je voudrais parler rapidement, le sujet c'est un cœur disposé et persévérant dans la prière reçoit autant convenable. Parce que lorsqu'il y a des situations dans la vie, comme nous pouvons voir les enfants d'Israël, Dieu avait dit à Abraham que sa postérité va faire 400 ans. Mais ils ont fait 430 ans. Et s'ils ont fait 430 ans, c'est parce qu'ils n'ont pas eu l'attitude de la prière autant convenable pour pouvoir recevoir la promesse. Ici, nous voyons cette femme, sa coépouse manifeste en elle des comportements pour l'irriter, pour l'emmener à s'irriter contre l'Éternel.
Continuez à lire au verset 7. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Donc, l'autre qui était à côté d'elle, au lieu de la fortifier, au lieu de l'aider, au lieu de la réconforter, mais elle avait tout le même comportement à son égard pour que celle-ci puisse s'irriter et avoir un mépris. Alors, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle pleurait et elle ne mangeait pas. Et au verset 8, Elkana, son mari, lui dit, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Anne se leva, au verset 9, « Après que l'on eut mangé et bu à Silo, le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. » Écoutez très attentivement au verset 10. « Et l'amertume dans l'âme, elle priait l'Éternel et versa des pleurs. » Elle priait l'Éternel et versa des pleurs. Pour elle, c'était un gros fardeau, un poids qu'elle avait dans le cœur. Comme nous avons dit, chaque année qu'il montait pour aller adorer l'Éternel, Anne, elle gardait toujours la même attitude vis-à-vis de l'Éternel. Elle priait, elle ne mangeait pas, elle pleurait. Après, au verset 11, elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu me daignes regarder d'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, elle précise, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Là, chaque année, nous avons lu précédemment le verset précédemment, elle avait la même attitude. Elle avait la même prière. Et elle faisait tout le temps le même vœu à Dieu. Seigneur, si tu me donnes un homme, je le consacrerai à toi. Or, la chose qu'elle voulait, avec l'amertume qu'elle avait dans le cœur, c'était que Dieu puisse seulement lui enlever la honte. Parce que dans une femme, il y a quelque chose qui est mis pour l'emmener à toujours manifester ce côté maternel. C'est pour ça que vous allez voir qu'une fille, elle aura toujours tendance à pouvoir vouloir acheter, qu'on puisse lui donner une poupée. Elle va commencer à tresser la poupée parce que c'est quelque chose qui est en elle, qu'elle ne peut pas enlever. Alors, nous allons descendre un peu plus loin. Excusez-moi. Au verset 12. « Comme elle resta longtemps en prière devant l'Éternel, » ça c'est ce qui nous manque, c'est de rester longtemps en prière. Souvent nous restons 2-3 minutes et nous partons, nous oublions même la prière que nous avons faite. Et des fois même quand on prie, nous n'avons pas la foi dans la prière que nous avons faite pour croire que Dieu l'a déjà accompli. On prie seulement pour dire qu'on a prié, après on s'en va. Alors qu'il faut que l'on puisse persévérer dans la prière, en ayant une bonne attitude aussi vis-à-vis de la parole de Dieu, pour avoir la satisfaction à la requête que nous avons demandé à Dieu. Parce qu'il faut que le cœur soit persévérant. C'est ce que Anne elle a fait. Chaque année, elle persévérait. Chaque année, elle priait. Chaque année, elle demandait à Dieu. Chaque année, en fin de compte, vous allez voir que c'était comme si elle faisait la même prière jusqu'à ce que Dieu le lui donne. Excusez-moi. Et au verset 13. Et au verset 12, non? Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur.
Donc, elle murmurait. Sa bouche bougeait, mais ne sortait pas des mots. Mais tout était dans son cœur. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa bouche. Élie pensa qu'elle était ivre. Lorsque vous sentez la présence de Dieu, que ce soit à la maison, que ce soit à l'église, et que cette présence de Dieu se saisit de vous, ce n'est pas nécessaire de crier à haute voix, il n'est pas nécessaire de chanter fort à haute voix, mais de ramener cette présence dans votre cœur, afin que celui-ci puisse prendre le désir qu'il y a dans votre cœur et de l'exaucer. Alors elle priait dans son cœur, et ses lèvres ne faisaient que remuer, elle ne sortait pas de sang. Parce qu'il y a des prières qu'on ne peut pas faire devant les gens. C'est pourquoi il est dit, rentre dans la chambre, dans le secret, prie ton Père céleste. Parce qu'il y a des prières qui doivent être faites dans le secret, que les gens ne doivent pas savoir. Cela doit être entre vous et Dieu. Et c'est ce qu'elle faisait. Elle priait constamment, malgré qu'il y avait son mari à côté de lui, et l'autre femme de son mari et les enfants. Elle priait constamment dans son cœur. Excusez-moi. C'est parce que si vous faites certaines prières et que les gens entendent cela, vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Parce qu'il y a des choses que l'on dit, si ça ne tombe pas à l'oreille qu'il faut, cela va ramener encore davantage de combats. Et vous allez voir que la chose même que Dieu vous a même dit qu'il va accomplir, cela devient difficile parce que vous avez propagé cela d'une manière qu'il ne faut pas. Et c'est différent lorsque Dieu vous dit de parler et lorsque Dieu vous demande de garder le silence. Si Dieu vous voyez que vous demande, vous n'êtes pas conduit à parler, restez tranquille. Mais si Dieu vous conduit à parler, parlez à la personne dont Dieu vous croyez que vous a conduit à parler. Écoutez maintenant. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit, jusque à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Or, Élie le sacrificateur croyait que Anne était ivre, qu'elle était sous. C'est pourquoi elle était dans cet état. Alors, le sacrificateur lui a donné de lui donner son vin, parce que c'était quelque chose qui semblait être bon stimulé. Pourquoi lorsque vous rentrez dans un certain degré de la présence de Dieu, et vous restez fortement attaché, fortement de la prière, cela va opérer un changement dans votre attitude et dans votre manière de faire et de voir les choses. Parce que lorsque vous serez dans la présence de Dieu, à ce moment-là, vous aurez l'assurance de ce qui va suivre. Même si Dieu n'exauce pas votre prière, mais vous saurez que ce qui va suivre, c'est sa volonté parfaite. Et c'est la volonté parfaite de Dieu dans la vie d'un homme qui procure une satisfaction parfaite. C'est pourquoi il est dit que les bénédictions de Dieu enrichissent et ne se suit d'aucun chagrin, quelque chose comme ça. C'est pour ça qu'il est très important pour nous, en vérité, de ne réclamer et de chercher que la volonté de Dieu. Anne répondit au verset 15. Non, non, mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre en son cœur. Si nous prenons un exemple, la stérilité que Anne avait, l'on peut dire que ce sont des différentes situations que nous avons dans la vie, des différents besoins que nous avons, que Dieu puisse nous exaucer. Parce que nous ne pouvons pas seulement prendre ça dans le cas de la stérilité, mais dans les différents besoins que nous avons, que nous prions, que nous réclamons à Dieu. Il est très important que le cœur soit disposé et en persévérance dans la prière. Anne répondit, non, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Or, elle souffrait dans son cœur, mais elle ne laissait pas exposer cela comme ça tous les jours. Continue à lire. Et je n'ai bu ni vin, ni de boisson enivrante, mais je répondais mon âme devant l'Éternel. Donc, elle répond à Élie que non, elle ne buvait pas. Elle répondait juste son âme devant l'Éternel, sans dire vraiment d'autres détails. Allons-y.
au verset 16. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Or, elle est arrivée à un point où est-ce qu'elle n'en pouvait plus. C'est pour ça qu'il y a des situations lorsque cela arrive à un certain degré. Allez-y devant l'autel de Dieu. Dites, Seigneur, tu as permis qu'il est ainsi. Mais moi, je voudrais ta grâce. Je voudrais ta volonté. C'est pour ça que vous allez voir une chose. Avec Lazare, Lazare était toujours auprès de Jésus. Comme il est dit dans la Bible, Lazare, c'était l'ami de Jésus. Et quand vous lisez dans la Bible, Jésus n'a pleuré pour personne si ce n'est pour son ami Lazare. Et Lazare, lorsqu'il est mort et lorsqu'il est ressuscité, vous pouvez voir sa vie avait changé, mais il avait encore plus d'assurance qu'il était sauvé. Parce que vous pouvez voir un ange peut vous visiter, c'est bien. Mais lorsque vous avez l'assurance que vous êtes sauvé et que Dieu vous montre que vous êtes sauvé, cela va au-delà de tout ce que vous pouvez espérer et réussir dans la vie. Pour terminer, pour finir aussi au verset 17. Élie, c'est le sacrificateur Élie. Élie répliqua, Élie reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Voilà l'attitude d'Élie, l'attitude que nous devons avoir lorsque nous connaissons les situations des uns des autres, c'est de prononcer la bénédiction. C'est de joindre notre foi à la foi pour que le miracle puisse avoir lieu. Alors, Anne répond ceci. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Après qu'elle ait écouté les paroles d'Élie, cela certainement l'a procuré la paix dans son cœur. Alors, qu'est-ce qui se passa? Elle a mangé, elle est sortie de son jeûne, elle a mangé et on nous dit ici, son visage ne fut plus le même. Nous connaissons l'histoire, plus tard, Anne tomba enceinte, elle donna naissance à un enfant qui s'appelait Samuel et arrivé à un certain âge, Anne a pris l'enfant et l'a déposé entre les mains de Élie, afin que celui-ci puisse faire le service de Dieu comme elle avait promis à Dieu. Parce que lorsque nous promettons quelque chose à Dieu, nous devons veiller à l'accomplir. Mais maintenant, si quelqu'un n'est pas un enfant de Dieu, Dieu lui donnera quand même et il s'en ira. Le prophète dit ceci de la prédication persévérée, au paragraphe 34 jusqu'à 35. Le mot persévérer signifie, je pense, selon Webster, persister. Persévérer, persister dans la poursuite d'un but. Chaque personne sur la terre ou qui a déjà vécu sur la terre, qui a jamais accompli quelque chose avec, qui a fait quelque chose dans sa vie, a dû être persévérante. Vous devez premièrement être certain de ce coup. De ce en quoi votre foi est ancrée. Donc, si quelqu'un prie, premièrement, il doit avoir la foi dans sa prière et il doit avoir la persévérance aussi dans la prière. Or, la foi n'est pas une chose qui est si facilement ballottée. Nous connaissons ballotté, c'est quand quelqu'un est ballotté, on dit que c'est quelqu'un qui n'a pas de position. Il est là, ici et là, comme ça. Mais lorsque quelqu'un a la foi, il n'est pas ballotté. Il reste ferme dans ce qu'il fait jusqu'à ce que cela aboutisse. Et une sorte de, comme on dirait dans le langage de la rue, un tour de passe-passe. La foi ne peut avoir une position correcte que lorsqu'elle est placée sur quelque chose d'inébranlable. Et la seule chose qui est inébranlable que nous savons, c'est la parole de Dieu. Ce sont les promesses de Dieu. Alors, si nous devons prier, et si nous devons
persévérer dans la prière et avoir le cœur disposé, nous devons d'abord savoir qu'est-ce que Dieu nous a promis pour pouvoir persévérer dans la prière tout en étant disposé à recevoir la chose. Parce que si les gens ne reçoivent pas, c'est parce que premièrement, ils ne sont pas disposés et ils ne persévèrent pas dans la prière. Parce que vous allez voir, le prophète, il dit quelque part, c'est à cause du manque de prière qu'il y a des querelles. C'est à cause du manque de prière, de fois, qu'il y a beaucoup de problèmes de certaines choses. Parce qu'une personne, lorsqu'il va être saisi par la présence de Dieu, en étant constamment dans la prière, la Bible dit que le Saint-Esprit vous annoncera les choses à venir, alors il saura l'attitude qu'il faut faire. C'est pour ça que il y a une sœur qui garde des fois cette phrase-là dans son cœur tout le temps. Elle dit que le silence est une très grande arme. Dans la prédication persévérée, toujours le prophète dit ici au paragraphe 28, quand un homme connaît la parole et la volonté de Dieu, vous devenez persistant. Vous devenez persévérant. Alors, lorsque nous prions, nous savons que cela est en conformité avec la parole de Dieu et que c'est Dieu qui a dit et que c'est ce qu'il y a dans notre cœur et que nous portons cela comme un fardeau, comme une question de vie ou de mort. Seigneur, c'est de cela que je veux. Au temps opportun, Dieu accomplira sa parole. Mais la chose qui est difficile, c'est la persévérance dans la prière. Écoutez, maintenant prend la Bible dans Luc chapitre 21. Si vous pouvez le prendre avec moi, Luc chapitre 21, versets 34 à 36. Luc chapitre 21, versets 34 à 36. Prenez garde, verset 34, Luc 21, prenez garde à vous-même. On n'a pas dit prenez garde aux autres d'abord. On a dit prenez garde à vous-même. Il est question d'abord d'une vie personnelle, individuelle. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par l'excès du manger et du boire. Et par les soucis de la vie. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Ici, il y a un mot qui revient. Pour bien comprendre le contexte, c'est le mot apaisantisme. Donc, prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par l'excès du boire, par l'excès du manger et du boire. Si nous prenons le dictionnaire dit ceci sur le mot apaisantissement. Attitude d'une personne apaisantie, il dit ceci, le synonyme c'est alourdissement. Donc quelqu'un va tellement bien manger qu'il va se rassasier. Il n'aura même plus la force de prier convenablement avant de dormir. Quelqu'un va tellement avoir des soucis de la vie que cela va l'alourdir, qu'il n'aura plus la force de prier pour réclamer la grâce de Dieu. Jusqu'à ce que cette manière de faire va devenir un mode de vie. Je me lève, je vais au travail. Je finis le travail, je rentre à la maison. Je mange, je dors. Je me lève encore, je vais au travail. Pourquoi? Parce que la personne est tombée dans l'apaisantissement des choses de la vie. La personne est tombée dans la lourdeur. Alors son cœur n'est plus disposé et persévérant dans la prière pour pouvoir recevoir les choses de Dieu. Mais son cœur est disposé tout simplement à l'apaisantissement. Alors du coup, la personne, qu'est-ce qu'il fait? Il ne prie plus comme il faut. Vous parlez à la personne. La personne est découragée.
La personne dit, oh frère, tu sais, hein, ah, la vie ici, c'est pas facile. Ah, mais on est là, hein. Ah, par la grâce de Dieu. Ah, frère, la grâce de Dieu. En fin de compte, les gens aujourd'hui, ils ont pris la grâce de Dieu comme un moyen pour accepter la souffrance. Oh frère, ça va? Ah, ça va, frère. Par la grâce de Dieu. Or, la grâce de Dieu, lorsque Dieu vous fait grâce, cela veut dire qu'il vous sort d'un état à un autre. Lorsque dans le naturel, on voit un prisonnier qui a été condamné à mort, il sait que peu importe ce qu'il va faire, même s'il se conduit bien en prison, il a été déjà décrété par le juge qu'il va mourir à telle date. Il y a la chaise qui l'attend, il met le fil pour le pendre. Mais lorsque le roi intervient et qu'il fait un mot de grâce et lui donne, voici, on t'a fait grâce, et qu'il accepte comme la grâce, cela va automatiquement changer son attitude. Il ne va plus penser qu'à cette date, je vais mourir, mais il va commencer à se projeter ce qu'il fera après. C'est pour ça que lorsqu'il dit, ah oh, frère, par la grâce de Dieu, ce n'est pas la grâce de Dieu, tout simplement. Le prophète dit ceci, dans la prédication, un vrai signe dont on ne tient pas compte, au paragraphe 61. Donc, Israël, après 400 ans, ils se sont mis à réclamer à grands cris la délivrance. Donc, Israël, au lieu de prier avant 400 ans, ils étaient tellement appesantis, tellement rentrés dans la lourdeur, à cause de tous les travaux que l'Égyptien leur faisait, à cause de toutes les douleurs qu'ils avaient, ils ont oublié cette promesse-là. Alors, ils sont encore restés longtemps dans la servitude avec Pharaon. Lorsque les gens veulent marcher avec Dieu, ils veulent une délivrance, il est question d'eux-mêmes avec Dieu. Et jamais Dieu ne se révèle, jamais Dieu ne se révèle ni ne se manifeste tant que son peuple n'est pas disposé à recevoir ce qu'il manifeste. Dieu ne peut pas donner à son peuple quelque chose si ceux-ci ne sont pas disposés à le recevoir. Parce que si vous prenez quelque chose, vous donnez à quelqu'un qui n'a pas la maturité de l'entretenir, il va détruire la chose, sachant que c'est une chose de grande valeur. Et aux yeux de Dieu, nous sommes comme des enfants. Plus nous grandissons, plus il nous donne des responsabilités. Et les responsabilités qu'il nous donne, c'est toujours pour l'honneur et pour sa gloire. Et plus vous grandissez encore, il vous donne des responsabilités. Et si Dieu vous donne des responsabilités, c'est parce qu'il a jugé juste que cela puisse en être ainsi. Dieu ne demande jamais l'avis de qui que ce soit. Dans la prédication, toujours Dieu, un vrai signe dont on ne tient pas compte. Au paragraphe 62. Eh bien, oh, combien on peut dire long dessus? Si c'était le cas, alors Dieu a mis cette nation à nu. Ils savent ce qu'il en est. Les journaux ont publié cela maintes et maintes de fois. Les signes de sa venue ont été démontrés. Et il continue tout bonnement, comme s'il n'en était rien. Ils n'ont aucune excuse. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Alors nous sommes censés prier davantage pour que Dieu puisse ramener davantage la foi de l'enlèvement à sa manifestation. Parce que plus quelqu'un va rentrer dans l'appesantissement, dans l'alourdissement, dans la futilité, dans les choses du monde, ainsi de suite, il va forcément arriver un moment où il ne va plus s'en sortir. Parce que si les gens attendent certaines prophéties, ils vont se perdre. Parce que lorsque Noé est rentré dans l'arche, l'arche, c'est Dieu qui a fermé l'arche. Noé est resté quelques jours dans l'arche, la pluie n'était pas encore tombée. Donc Dieu peut aussi sceller l'épouse. Et il laisse les gens comme ça. Et quand l'enlèvement a lieu, certaines prophéties s'accomplissent.
Les gens vont commencer à se poser des questions. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Non. L'homme prépare son salut tous les jours. L'homme prépare sa vie, sa relation avec Dieu, ça s'entretient tous les jours. Écoutez, dans Proverbe 28, Proverbe chapitre 28 au verset 9, la Bible dit ceci. Proverbe 28, chapitre 9, la Bible dit ceci. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. C'est dans Proverbe. Proverbe chapitre 9 et chapitre 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Donc déjà, quelqu'un pour prier aussi, pour demander quelque chose à Dieu, il faut que lui, il soit d'abord en ordre avec Dieu. Parce que ici, dans Proverbe, il est dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, pour ne pas écouter la parole de Dieu, sa prière même est une abomination. Donc, il n'a pas le droit de parler avec Dieu. C'est pour ça qu'il est dit ceci. Je vais essayer de retrouver le passage de la Bible. C'est dans la Bible. Dans la Bible, il est dit, confessez vos fautes les uns aux autres et priez. C'est pour ça que vous allez voir que le frère Branham, lorsqu'il envoyait des mouchoirs à des gens, quand on envoyait les mouchoirs aux gens, il y avait un papier, on écrivait une note dessus. C'est que dans la prière, lorsque vous priez, il vous faut premièrement confesser vos péchés. En fin de compte, les gens ne reçoivent pas une guérison totale et parfaite dans certains cas, c'est parce qu'ils ont encore du péché. Alors, quand il y a encore des erreurs, des choses qui ne sont pas confessées, alors le cœur ne peut pas être disposé et le cœur ne peut pas persévérer selon la parole de Dieu pour obtenir ce dont la personne a besoin. Parce qu'ici, nous venons de lire que quelqu'un qui n'écoute pas la parole de Dieu, qui n'applique pas la parole de Dieu, sa prière est une abomination devant Dieu. Je vais essayer de retrouver un passage. Dans la prédication, et à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Parce que nous devons avoir la foi dans la prière et nous devons avoir la foi dans ce que nous faisons. Le prophète décide au paragraphe 8. Cela dure autant que dure la foi. C'est ça. Dès que vous faiblissez dans la foi, cela va directement revenir. N'importe quand que vous allez faiblir dans la foi, vos péchés vont directement revenir sur vous. Les mêmes vieux désirs, seulement ça sera pire. Est-ce vrai? Allez donc et croyez. Donc quand nous croyons à notre prière, nous croyons à ce que nous prions pour demander à Dieu quelque chose, nous devons croire que Dieu il a exaucé et ne pas faiblir dans la foi. Parce que lorsque vous faiblissez dans la foi, lorsque vous faiblissez dans la foi, dans la parole, automatiquement, c'est l'effet inverse qui vient, c'est la mondanité qui vient prendre la place de la parole. Parce que l'on est toujours rempli par l'un ou l'autre. On ne peut pas être rempli par les deux choses à la fois. Et dans la prédication, le départ secret et soudain de l'Église au paragraphe 114, le prophète dit ceci. Que cela ne soit pas votre cas. Gardez l'huile dans votre lampe. L'huile, c'est l'esprit, le Saint-Esprit. Ne laissez jamais cela s'épuiser en vous.
Excusez-moi. Suivez très attentivement cette partie. Lorsque vous sentez votre amour s'éteindre, votre sincérité vis-à-vis de Christ et de la cause, allez rapidement à celui qui a la fontaine d'huile et achetez de l'huile et achetez-vous un remplissage du Saint-Esprit. Lorsque vous sentez cet amour que vous avez pour Dieu diminuer et que vous prenez des habitudes que vous n'êtes pas censé prendre, à ce moment-là, il vous faut rentrer rapidement en prière pour que vous puissiez recevoir la chose juste. Si vous allez dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, beaucoup de serviteurs de Dieu, les prophètes, ils ont eu une vie avec des grands accompagnements du surnaturel, de grandes bénédictions, une vie pieuse avec Dieu. C'est parce qu'ils étaient constamment en prière. Et la seule manière de parler avec Dieu, c'est par la prière. Vous priez dans votre cœur avec toute la sincérité. Dieu n'aura pas d'autre choix qu'arriver à un certain moment de vous parler. Parce que Dieu doit nous parler. Je vais bientôt terminer. Je veux lire ce passage dont le prophète dit ceci dans la prédication. Un vrai signe dont on ne tient pas compte au paragraphe 63. Dieu n'envoie ses prophètes que lorsque les gens réclament un prophète. Dieu ne peut qu'envoyer quelque chose lorsque les gens réclament cette chose-là. Dieu envoie son signe quand les gens sont disposés à recevoir un signe. Donc, Dieu envoie un signe quand les gens sont prêts à recevoir un signe. C'est pourquoi lorsque Dieu il a dit à ses disciples, attendez-moi là-bas à Jérusalem, les disciples devaient attendre là-bas et avoir l'attitude correcte. Parce que sinon le Saint-Esprit n'allait pas descendre. Ce qui nous manque, c'est l'attitude pour être disposé et la persévérance dans l'attitude. Parce que vous pouvez pas être là un moment, non, j'ai eu une bonne attitude, ça n'a pas marché, donc j'ai laissé tomber quoi. Non, c'est que la personne n'avait pas la révélation, n'avait pas la foi pour pouvoir recevoir la chose. Parce que nous avons lu ici que la foi n'est pas quelque chose que l'on peut balloter comme on veut. Je vais bientôt m'arrêter. Dans la prédication des esprits séducteurs, le prophète dit ce paragraphe 45. Or, on devrait considérer toutes choses en prière. Premièrement. Donc, tout ce que l'on fait, je vais aller à l'école, je vais prier. Je veux commencer un travail, il faut que je prie. Je veux déposer mon CV, je vais d'abord prier. Avant de faire quoi que ce soit, nous sommes censés prier. Même lorsque nous rentrons dans la voiture, pour pouvoir aller à un certain endroit, nous sommes censés d'abord prier. Quand nous arrivons à cet endroit, avant même de sortir de la voiture, nous sommes censés prier. Lorsque nous arrivons même à l'endroit, nous sommes censés encore prier. Avant de partir, nous sommes censés prier. La Bible dit que, le prophète aussi, le prophète dit que nous ne prions jamais assez. Alors, en toute occasion bonne, favorable ou non, prions et remercions Dieu pour tout ce qu'il fait. Parce que plus vous remerciez Dieu, plus vous priez, plus Dieu va davantage se révéler à vous. Parce que Dieu, il aime la communion. Et Dieu veut nous donner des bonnes choses. Mais pour que Dieu puisse nous donner ces bonnes choses, que nous puissions l'accepter, nous devons être disposés constamment et dans la persévérance de la prière. Et au temps favorable que Dieu il a pourvu, alors la chose s'accomplira. Mais toujours garder la foi. En prière premièrement, chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces autres choses seront données par-dessus. Je suis sûr et certain ce matin que si les hommes et les femmes
pouvait seulement en arriver à cette position, le fait de prier tout le temps, pour quoi que ce soit, je vais sortir, je vais en prier, faire que en arriver à cette position où leur âme, leur pensée, leur attitude soit parfaite aux yeux de Dieu, ce serait une des églises les plus puissantes qui n'ait jamais existé. Avant de faire quoi que ce soit, la prière. Je veux commencer, je suis arrivé au travail avant de sortir de la voiture, je prie. J'arrive au bureau avant de m'asseoir, je prie. Je consacre le lieu, je consacre aussi l'entreprise. Je finis ma journée avant de sortir de l'entreprise, je prie. Je rentre dans la voiture avant de démarrer, je prie. J'arrive à la maison avant de sortir de la maison, de la voiture, je prie. Je monte les escaliers, bien je passe par le parking, par le jardin. Quand je rentre dans la maison, je prie. Et cela, c'est le mode de vie du chrétien. Ce sont ces petites choses-là que nous mettons de côté, qui ont du mal à apporter les grandes choses, parce que ce sont les petites choses qui soutiennent les grandes choses. Nous sommes dans une pièce, on voit la pièce, c'est bien jolie, mais la chose qui permet que la pièce ne puisse pas s'effondrer, qui supporte tout le poids de l'immeuble, c'est le fondement qu'il y a, que nous ne voyons pas. On voit une grande tour, mais on ne voit pas le petit fondement solide qui est posé. Je veux lire cette citation. Je vais essayer de lire deux citations pour terminer. Je veux retrouver. Donc, un seul réponse sur les Hébreux 3 au paragraphe 913. Ensuite, nous allons prendre un moment de prière ensemble. On va couper la connexion pour que nous puissions prier et que chacun puisse être conduit à prier comme Dieu le conduit. Je vais lire cette citation. Ensuite, nous allons prendre un chant, nous allons prier. Au paragraphe 913. Quelle est la réponse sur les Hébreux, au paragraphe 913. Mais maintenant ici, Dieu exaucera la prière si vous oubliez que c'est William Lyon Branham. Vous voyez, si vous oubliez que William Lyon Branham a quoi que ce soit à avoir là-dedans, ou le frère qui est à côté de vous, ou la sœur qui est à côté de vous, il est seulement celui qui se tient là pour prier pour vous. Quand vous demandez la prière à un frère ou bien à une sœur, c'est Jésus qui a déjà accompli ce que vous lui avez demandé de faire. Je reprends. C'est Jésus-Christ qui a déjà accompli. Donc, vous êtes en train de prier pour demander à Dieu, donne-moi ceci. Mais ici, la parole nous dit que nous sommes en train de prier pour demander à Dieu quelque chose qu'il a déjà accompli. Or, si nous croyons qu'il a déjà accompli ce que nous demandons, alors nous devons avoir l'assurance que nous avons déjà reçu ce que nous avons demandé. C'est Jésus-Christ qui a déjà accompli ce que vous lui avez demandé de faire. Si seulement vous le croyez, pas que vous croyez à la personne qui prie pour vous, à la sœur ou le frère que vous avez de la route de prière, ou celui de la prière, mais que vous puissiez croire en Dieu. Voyez, cela n'a rien à voir. Je n'ai rien à voir là-dedans, si ce n'est d'en témoigner. Mais on dirait qu'après avoir grandi ici avec vous, vous qui connaissez tous mes faiblesses et tous mes défauts, vous savez ce que Dieu fait ici même dans cette ville. Donc, dans tout ce que vous demandez à Dieu, c'est d'abord vous-même avec lui. Nous avons lu dans la Bible a dit, craignez de vous-même d'abord, de ne pas tomber dans certaines conditions. D'abord, nous-mêmes. C'est pas les autres, c'est d'abord nous-mêmes. Et puis, je veux juste finir cette citation. Le prophète dit ceci, j'essaie de retrouver.
Donc, soyez certains, le prophète dit ceci au paragraphe 27. Nos réunions de prière sont si faibles. À peu près une minute de prière et hop au lit. Nous constatons que c'est ainsi, et ça peut-être une fois ou deux fois par jour. Nous sommes tous coupables. Notre nation se dégrade moralement. Nous avons des Billy Graham et des Oral partout, mais tant qu'une soif ne s'installe pas dans le cœur de l'Amérique pour les ramener à nouveau à un Dieu vivant, tant qu'une soif ne s'installe pas en nous pour nous ramener à nouveau à un Dieu vivant, à une expérience vivante, à une foi immortelle dans le Dieu vivant, nous ne faisons, pour ainsi dire, que nous démener en vain. Nous venons à l'église en vain. Nous lisons les citations, nous chantons, nous prions en vain. Cela ne devrait pas être l'attitude. Nous devons prendre ce fardeau au sérieux et enlever cela et enlever de faire les choses à la légère. Et je vais finir cette citation, ensuite nous allons prendre un cantique. Donc, soyez certains, Dieu, le prophète dit ceci au paragraphe 60. Ô Dieu, quand un homme est fidèle à ce que Dieu lui a dicté et qu'il est certain qu'il est Dieu, celui-ci doit répondre. Dieu doit répondre. La foi déclenche chaque fois son entrée en scène. Un cœur disposé et persévérant dans la prière reçoit au temps convenable. Parce que sa foi, tôt ou tard, va déclencher et emmener Dieu à entrer sur la scène. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre ce petit chant. Ensuite, nous allons prier. Puis nous allons couper la connexion. Ensuite, nous allons prier.